parlera plus en détail tout à l'heure de ce en quoi ça consiste. Donc c'est une mutilation, pour faire vite. Ça concerne donc les jeunes filles, en général les jeunes filles, mais ça peut aussi concerner les femmes. Donc ça peut se faire parfois à un âge assez tardif. Des animistes, mais pas forcément des animistes, parce que ça peut être des chrétiens, ça peut être des musulmans. Donc c'est surtout culturel. Anaïs, ça ne t'intéresse pas ? Ouais, comme d'hab. T'as les cours avec Monsieur Bougon là, non? Ouais, ouais. Non. Lui-même. Déteste ce mec. Je m'étonne, je te jure. C'est qui le BG qui est sorti là? Tim. C'est un mec sur qui je crush depuis grave longtemps. Mais vas-y, il enchaîne les mecs, ça me casse les couilles. Oh, pauvre petit chouchou. Mec, ça va aller. Hein. Bon, qui a kiffé le dernier album de Damso? Ah, vraiment pas moi. Ouais, il a géré de ouf. Calfeu, meilleur album, gros. Lucas. Lucas. On dit QALF, lettre par lettre, ou calf. Mais fais un effort, s'il te plaît. D'accord. Bon, c'est pas que ça m'intéresse pas du tout, mais il y a Luc qui organise une putain de soirée ce week-end. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous y aller. On va s'éclater. On va se mettre une grosse rince. On va danser. Lucas, je veux que tu chopes le premier beau gosse que tu vois. Vous deux, bah voilà. Et Anaïs, mon poulain, va falloir. Moi, je vais finir au sol. Par contre, moi, j'ai pas de thune. Hein. Ouais, et moi, je sais pas, je vous dirai si je viens ou pas. Meuf, pourquoi ? Toujours des faux plans. Ça va ? T'as passé une bonne journée ? En cours, toi? Ça va, meuf? Mec, une journée de merde. Je sais que je me plains souvent, mais là, je te jure, c'est encore pire. J'ai votre solution. Moi, j'ai le droit d'essayer. Vas-y, essaye. Ah ouais? La meuf, elle dit non pendant 3 ans et là, c'est parti. Bravo! Anaïs? Anaïs? Tu peux venir à la soirée Luc du coup? Ouais, je sais pas, je te dis plus tard, ok? Mais t'es relou. Justement, la semaine
ce date, ok? Et on va au café, et au café juste à côté de nous, il y a qui? Salut, Tim. Salut, salut meuf, ça va? Au café juste à côté de nous, il y a Tim et un autre gars. Sérieux? Ouais, et là on se fait un double date, mais incroyable, genre comme dans les films, un double date, trop bon, trop bien. Et justement, le mec de Tim et le mec qui était avec moi... C'est pas ça, ça va? Y'a pas quelqu'un qui a une clope à décale, là? Non, gros. Mec, c'est chaud là, je te vois pas, j'ai plus rien. On en est là! Ah, il casse les couilles! Bref, en train de gratter que au lycée. Bref, justement, le mec de Tim et le mec avec qui je match, ils sont bien entendus. Ils sont partis, je suis resté avec Tim toute la soirée, toute l'après-midi, toute la soirée, c'était trop bien. Et je pense qu'on va se revoir la semaine prochaine. Les gars, on est tous invités à la soirée de Luc ce week-end. Ce week-end? Mais non! Bien, ouais, je vous jure! Meuf, en vrai, pour la soirée, je suis pas très chaud. Putain, j'étais relou. Genre, tu sais, j'ai la flemme de me retrouver dans un appart avec des mecs. Non, mais meuf, la dernière fois, il y avait pas Lucas, il y avait pas Mathilde, pour une fois qu'on est tous invités. Mais t'es pas chaud, on se pose dans un bar plutôt. Meuf, si c'est de la merde, on se casse et tout. On est ensemble, on s'en fout. Allez. 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 Ouais, ok, mais on reste pas longtemps. Non, c'est pas longtemps. Non mais promis, promis. Relou. Arrête. Alors, déjà, non, il était relou sur tout le chemin. Non mais... Quoi? Bah oui, j'ai envie de voir, vous voulez pas voir? Juste, on est au... Ouais, 136, t'es au 126. T'es sûr de toi, là? Mais oui, mec, je suis toujours sûr de moi. Tu fais bien de poser la question. Non mais quoi? Genre, à quelle heure? T'es sûr ça va être cool au moins la soirée? Mais ouais, ça va être trop bien. Il y a plein de BG du cours d'anglais. Ouais. Il y aura Léopold, il y aura Maxime, il y aura Baptiste, il y aura Martin, puis il y aura Axel. 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 Ah ouais, quand même. Et du coup, parmi tout ça là, tu comptes pêcher lequel? Bah, je sais pas, celui qui voudra bien de moi. On va essayer avec tous. C'est là, les gars, t'es en face, à gauche. Ok, faut tourner et... Quel code, Je ferme la marche. Son pote, je s'y amène. Pas prêt. C'est pas si ouais, t'es sur un man. Nager la dalle comme Gargamel. J'fais ta cannelle caramel. Penser là, c'est pas prêt. Touche mon chapelet, ma planète. Elle veut un killer comme Athème. Pas dans la moyenne, dans la mienne. T'as bien tous les paramètres. J'vois son pote, je s'y amène. Je vois son pote, je suis un mec. Sips son miel. Ouais, demain, quelle heure? Je sais pas, 15h, chill. Chill? Ouais, bah comme ça on a le temps de dormir et tout. Tu galères un peu là, non? Ouais, je cherche un verre. Tiens. Merci. T'inquiète. Toi, t'es en anglais avec moi, toi. Ouais, moi, c'est Anaïs. Ouais, je sais. La meuf qui dessine H24, là. Ouais, c'est ça. Du coup, l'année prochaine, tu veux faire quoi? Fac d'art? Je sais pas, ouais, on verra. Je kiffe, en tout cas. Ouais, ma mère, elle est prof aux études de SF, si tu veux. Ah ouais? Enfin, si tu veux, tu peux lui envoyer des trucs et tout, tu lui montres. Trop cool, ouais, je suis chaud. Et je pense qu'il y a moyen d'avoir une bourse si elle aime bien ce que tu fais. Grave. Et toi, tu fais quoi l'année prochaine, tu sais? Cinéma. Et tu sais ce que tu vas faire dedans? Je sais pas, je pense vers la photo et tout, je pense. C'est trop taré cette phrase d'anglais. Non, mais elle est baisée l'autre. T'as vu quand elle vient, elle me fait Montine! Mais quoi, il y a une Montine? Non, mais elle fait peur, hein. Tous les jours, elle me parle anglais, l'autre. Je comprends rien à l'anglais. Tous les deux jours, je lui dis, je comprends pas l'anglais, elle me parle anglais. T'as plus rien à voir?
pur. Franchement, en plus, tu vois, c'est discret. Michael Jackson, entre guillemets, tout le monde le connaît. Ouais. On dirait presque un mix. Quoi hein. T'aurais pas une clope à décale? Non, désolé, gros. Vraiment, même pas pour moi. Et je viens de te dire non, frère. À manger là. Et tu crois t'es chez ta mère ici en fait? Bah ouais. Tu viens danser? Tu viens? Ouais, ouais, je finis ma club, j'arrive. Mais tu viens vraiment? Ouais, ouais, ouais. Ok. People just want more and more freedom and love. What he's looking for. Freed from desire. Mind and senses purified. Freed from desire. Mind and senses purified. Freed from desire. Ah oh merde. Oh putain. Que un peu là. Ça va? Ça va, meuf? Qu'est-ce qu'elle a? Thank you.
Bah, tu rentres déjà? Je croyais que tu dormais chez Lise. Ça va, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. En fait, il y a un peu un truc qui me bloque à l'intérieur de moi et j'ai du mal à comprendre. Alors, du coup, je me pose plein de questions et je me mets beaucoup la pression. Alors, je comprends pas parce qu'il y a plein de trucs qui se passent dans ma tête. Je veux pas vous décevoir et il y a ce garçon à la soirée. On s'entendait bien, alors s'embrasser et en fait ça m'a pas plu. Alors du coup je suis partie en courant comme d'habitude et c'est vraiment pas de sa faute à lui parce que il a fait tout bien, il a vraiment fait tout bien et j'arrive pas. Et ça me saoule parce que Lise, elle fait toujours bien, quoi. Elle fait toujours tout bien. Toujours de bonne humeur. Et moi, j'y arrive pas. Je passe toujours pour la grosse chose du groupe. Et c'est vraiment en train de me saouler, en fait. Alors. Ma chérie, mais c'est. De toute façon, c'est pas très important. Il y a bien quelqu'un à une clope, s'il vous plaît. Ouais. Ça va mieux, là, je crois. Ouais. D'ailleurs, je vais voir Martin, donc la soirée. Hey, elle a pas l'air top. Non. Courage, meuf, hein. Je phase, man. Bah regarde, il y en a deux qui ont remplacé là. Ah mais eux ils sont même pas. Eux ça sert à rien. Ils sont même pas collés, tu vois. Ils juste ils restent. Ils ont plus que ça à faire. Ils ont plus que ça à faire. Ah j'ai pas envie d'être vieux. Ah ça ouais, fait peur. Peu. Moi non plus. Ouais. Ah, salut. Ah, salut. Yes. Ah, vas-y. Ciao. Vas-y, à plus. Ouais. Ah. Bisous, bisous. Ça va? Tu sais, pour la soirée, j'ai les troubles. Je sais pas ce qui m'a pris. Ah non, mais t'inquiète, ça reste entre nous. Hein. Non, puis moi, je suis pas hyper chaud pour que ça soit, je me trouve. Hein. Moi, je comprends, mais c'était vraiment pas voulu, quoi. Ah non, mais t'as pas compris. Non, mais en gros, quand j'ai dit. Non, mais quand j'ai dit j'ai pas envie que ça sache, c'est pour dire genre en mode. Genre ça reste entre nous, tu vois. Enfin, c'est. Je sais pas, genre. Enfin. Ça regarde que nous, et puis genre. Mais après, c'est pas du tout. Pour mon image ou quoi, ça a rien à voir. Ok. Je sais pas, ça arrive. Non, mais je t'assure, je sais pas ce qui m'a pris, genre. Tu sais, sur le moment, j'avais genre pas de barrière, tu vois. Comment ça? Bah, tu veux m'en parler? En fait, je pense pas que ce soit toi le problème. C'est juste. En ce moment, je suis un peu perdue, tu vois. Mmh. Et. Il y a un truc qui me bloque, je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop dans quelle situation je suis, tu vois. Genre, je sais pas, c'est peut-être un peu bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est ce que tu ressens, tu vois, mais. Enfin, après, là, comment tu l'expliques, là, ouais, là, ça. Enfin, dans ta tête, ça a l'air bizarre, quoi. Ça, t'imagines même pas. Bon, du coup, pour la soirée, tout va bien, ok? C'est notre petit secret. Ouais, enfin, l'acte reste pas super sexy quand même. Bon, mais non, mais ça, on s'en fout. Ok. Thank you.
Voilà. Salut boy, tu vas bien? Tu fais quoi là? Ben, je t'embrasse. Ah ouais, mais non en fait. Et toi? Moi je pensais que... Je crois que j'ai raté un truc là. Y'a un souci? Y'a rien, me parle pas, c'est tout. Mais c'est quoi ton problème? Oula, c'est moi, il y a une ambiance de merde ici. Alors encore ce que moi. Pardon. Non mais sérieusement, il t'arrive quoi? Mais rien frère, assis-toi, c'est tout là. Ah ouais, frère, carrément. Mais elle est folle elle ou quoi? Bah dis-moi, ça casse les couilles là. Mais gros, c'est toi, tu casses les couilles. Bouge. Et la meuf à qui t'as parlé une heure à la soirée, elle cassait les couilles, elle peut-être? Va te faire foutre. Moi, je pense qu'on se reprend un truc. Genre en mode de café. Bière. Oh non, une bière, s'il te plaît. Ouais. T'es con ou quoi? Une blanche. On va lui parler. Non, non, c'est bon, c'est mort, elle m'a saoulé. Ah, vas-y, c'est bon. On commence à avoir l'habitude. Non mais c'est chiant, ils sont hyper amoureux et ils font des trucs comme ça. Je sais pas, tout le monde a envie d'avoir une relation comme ça et eux ils foutent tout en l'air, ils s'embrouillent pour rien tout le temps. Ouais, je sais pas. En vrai ça me dégoûte un peu. Mais ça dégoûte pas, c'est juste qu'ils font des cons. Non mais genre, ça me dégoûte l'idée d'être en couple, tu vois. Bah c'est sûr, si tu vis ce genre de scène tous les jours, ça saoule. Mais clairement. Ouais, c'est pas très gai tout ça. En vrai, moi j'ai rencontré quelqu'un. Non, jure. C'est qui? Il s'appelle ouais, comment? Désolé, en vrai c'est Tim. J'ai enfin réussi à le pécho. Putain mais trop cool. Et il suce super bien. Les gars, je fais une soirée, une petite soirée ce soir, si vous êtes chaud de venir. Ah bah ouais, carrément. Ouais, extra, ouais. Une soirée un jeudi. On est vendredi. Et ouais. Ah ouais, putain, grave chaud, mec. Wouh, on va s'éclater. Coucou. Oh, ça va? Ça va et toi?
Bah les gars, je vous en ai parlé hier, je vous présente Tim. Ah Tim, enchanté. Bah, enchanté. Je connais déjà plusieurs d'entre vous. Je te serre la pince. Allez. Lise, pour ma part. Voilà. Nous on va y aller. On va y aller. Déjà. Voilà. Ouais, on a des choses à faire. Ok. Bah, bisous. Bon bisous. Voilà. Profitez bien. Ciao. Salut. Tous les deux. T'en as pensé quoi, Tim? Bon, en vrai, il a l'air grand sympa. Ouais, je suis assez d'accord. Sinon, tu viens la soirée de Lucas? Ah non, je pense pas. Franchement, je me vois pas refaire des soirées, tu vois, après ce qui s'est passé. Ah ouais? Tu vois. Ouais. Mais en vrai, vas-y, sans moi. Hein. T'es pas chaud, plutôt on se fait une soirée toutes les deux? Pourquoi pas? T'es chaud? Ouais, je crois que je suis chaud, ouais.
Castex. Anaïs ? Anaïs ? Anaïs ? Hé hey, Anaïs ! Ça va ? Ah, pour une fois que monsieur se met à côté. Bah t'as ta chambre, profite. C'est pourquoi ? De quoi c'est pourquoi ? Ah, tu veux quoi ? Bah rien, tranquille. Je sais pas, non ? On est pas un... de potes. About words that look the same, sound the same, or are easily confused. Don't look at me like little lost pigs. You all know that kind of words. Ouais, désolé. I'll give you an example. Je suis un peu tendue, the words effect. Pourquoi? And affect. How dare you? Martin, are you really talking to your classmates? You should learn to control your tongue, not to speak! It is a question of respect, Martin! Can you... Martin! Just shut your mouth! Shut your mouth and in don't French, speak! I don't speak! Don't speak! Listen! Listening, you know? Two ears! Listening! Je comprends pas. Okay? It is a question of respect, Martin! Yes. The respect of your wonderful teacher, I mean myself, but also the respect of the other students! And the wish of learning. And you should share this wish of learning. You are all here at school to learn, to listen to wonderful teacher that will give you all the knowledge you need to become a good person with skills. Je crois pas pouvoir parler, will be... Non mais j'ai rien fait là. Martin, how dare you? I'll just tell you not to speak! And you just don't care? What? You don't care about the older students? You don't care about me? But do you even care about your future? Tell me! I don't understand why you're speaking, you're talking, you're chatting! I don't speak quand vous avez dit... Shut up! Okay? I don't understand. When I was your age, I was happy to go to school. I was happy to learn. But il m'avait dit à Capes. Il m'avait dit, les students, they don't come to school to learn. No, they don't care. Ils savent qu'ils vont get the back en faisant rien. Mais moi, je m'étais dit, moi, je vais y arriver. Je vais les captiver, mes petits students. Je fais mes cours en fonction de vous. Ça vous a pas plu la translation de Michel Sardou? On parlera après. For the living, a bit of hell. The Connemara. Well, let's continue the lesson, okay? And just zip your lips. So, a bit of a story. The Great Depression of 1929. What happened in 1929? Il se lève et se casse sans pression, quoi. Il a fait quoi, lui? Bah Aurélien, il est resté planté là. Du coup, Lise, elle lui a dit, bah gros, bouge-toi, va la voir. Et il a fait, vas-y. Mais genre, tu sais, c'était trop chiant, parce que les deux, ils gâchent leur relation pour rien, tu vois. Mais ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble, eux ? 2 ans. Ah ouais ? Ça fait longtemps, hein. Et aussi, avec Lise, on s'est fait chaud.
Pardon? De quoi? Bah... En gros, on devait aller chez Lucas, notre pote, pour une soirée, mais vas-y, moi j'avais pas trop envie de refaire un truc comme ça et tout. Du coup, Lisa m'a dit, bah viens chez moi. Et on y est allé, on a bu, beaucoup, beaucoup. Et je sais pas, on dansait et on s'est embrassé. Mais du coup, c'est bien ou pas bien? Bah du coup, c'est chelou quoi, c'est ma meilleure pote. Mais du coup, comment ça se fait que ça s'est passé? Bah je sais pas. En fait, on était là, et je pense que c'est l'alcool aussi, tu vois. Mais on s'est rapprochés et on dansait et je sais pas, j'ai senti un truc et je l'ai embrassé. Mais tu sais, c'est un peu chiant parce que ça fait comme avec toi, genre... Enfin, ça m'a dégoûté, tu vois. Du coup, je suis partie en courant, comme d'hab. Ok. Tu sais, j'ai l'impression de pas être humaine. Mais non. Moi, je pense que c'est juste t'as pas trouvé la bonne personne, tu vois. Et puis, on est jeune, hein, on a 17-18 ans, on a le temps pour essayer des trucs, machin, et puis ça se trouve, tu sais, t'aimes ni les garçons ni les filles, ça existe ça aussi, hein. Et genre, c'est pas grave, tu vois, t'as le temps, donc tu vois bien. Faut que tu reparles à Lise aussi, hein. Vous allez pas vous faire la gueule toute la vie parce que vous êtes pécho, quoi. S'en branle. Non? Oui? Non? Oui, oui. Je suis vraiment contente que tu m'aies envoyé un message hier soir. Ça me fait trop plaisir de te revoir. Ouais. J'ai un peu pris mon temps, je sais, mais... Je te jure, j'en avais trop besoin. Tu voulais me dire quelque chose? Bon... Bah, c'est bon, balance. Bah... D'un côté, on a Mathilde et Aurélien. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Lucas qui vient de se trouver un mec. Toi, bah, qui pécho à toutes les soirées. Et moi, voilà quoi, tu vois. Et du coup, je sais pas, quand j'ai vu que le feeling il passait bien avec Martin, je me suis dit vas-y, on y va. Et dès que ça a commencé à devenir. Tu vois, je sais pas, j'ai paniqué. Et ensuite, il y a la soirée avec toi. Et ça m'a fait comprendre ce que je voulais pas, c'est sûr. Non, mais maintenant, je sais me positionner par rapport à ça, tu vois. Et j'ai essayé parce que, je sais pas, c'est ce qu'on attend de moi. Tu vois, je me dis qu'à 17 ans, on sort. On rencontre des gens, il y a des premières histoires qui se passent et tout, mais au fond, j'ai absolument pas besoin de ça, en fait. Et je crois que j'en ai pas envie non plus. Ok, je comprends mieux. On n'a pas tous besoin d'avoir des relations comme tout le monde, hein. Toi t'en veux pas, c'est comme ça, on s'en fout. Mais tu décris très bien ce que j'ai vécu ces dernières semaines, en fait. Non, meuf, sérieux, je suis vraiment trop contente que tu t'aimes. Je t'aime vraiment, tu sais. Moi aussi, je t'aime trop, putain. Tu me gosses plus jamais. Hein. Non, ça, c'est fini. Bon, par contre, on va remettre les choses au clair. C'est clairement toi qui m'embrasse en premier. Alors, toi ?